Mercredi, mercredi, c'est shmup. Et en plus, aujourd'hui, c'est écrit directement devant vous. C'est magnifique, non? Ah, j'ai mon écran qui vient de sauter. 2 secondes, ça revient. Oui, il faut toujours qu'il y ait un fail au démarrage. On va explorer une nouveauté. Oui, avec ce tout MSS2 multi-scroll shooting. Et vous allez voir qu'on vous ment pas sur la marchandise. Pour rappel, le principe des shooters type 2, c'est pas d'avoir une vivacité et besoin de réflexes tonitruants, car Tony est un truand, mais plutôt d'appeler son cerveau à gérer différemment les patterns de boulettes, puisque on va avoir le temps largement de voir l'écran se remplir, on va avoir à peu près le temps de réagir, et vous allez voir que il faut interpréter la lecture de ces shmups de manière différente aux titres plus action comme les Kiev et compagnie. De surcroît, aujourd'hui, on m'emmène dans un multi-scroll shooting, donc j'ai mis mon t-shirt non pas par derrière. Et je crois qu'il va être parfaitement inutile. Pour que tout le monde soit à armes égales, on va se faire le tutoriel. Comme ça, les explications seront claires et limpides pour tous et toutes. Oui, c'est ouvert les shmups, c'est nouveau en 2021. Petite sorcière, c'est tout, quoi. Il faut que je bouge jusqu'à cet endroit. Non, mais c'est trop dur. Il faut que je tue un ennemi avec le bouton de tir, je présume. Ah oui. Ok. Turn to this direction. Direction, direction. Ah, on s'en fout. Faut que je me retourne. Et ça se fait avec la petite gâchette supérieure. Et là, faut que je l'attaque avec une bombe qui est sur mon autre bouton à côté du tir. Shazam. Cette bombe, en fait, elle vient pas de n'importe où. Hein. Elle vient tout simplement de quand je leech des tirs. La petite jauge bleue qui est en train de se recharger tout doucement là-haut, regardez. Et du coup, elle me permet. Enfin, je me retourne, c'est mieux. Oui, j'oublie des trucs en expliquant. Et du coup, elle va me permettre d'avoir deux types de super bombes. La méga grosse qu'on a vue tout à l'heure, et une qui bosse plus de proximité. Et c'est quand la jaune est pas remplie complètement. Je crois qu'on va sortir du tuto, on a tout vu. Bon, maintenant qu'on est tous à armes égales, bon, on va attaquer le jeu. J'ai fait un petit run préalable où je suis allé me crasher lamentablement sur le troisième niveau. Car le vieux dicton The Big Game of Ski est toujours valable. Oui, c'est au troisième niveau qu'on voit ce qu'il a dans le ventre, le shmup. L'acheter est donc, et envie de vous en faire voir beaucoup, je vais prendre le mode easy, mais je vous recommande le mode normal quand même. Alors, petite sorcière, Akurai Remu. C'est joli le rouge, mais non. Ah, un balai pour voler. Ça va tout de suite mieux. Puis ça me rappelle plein de sorcières d'autres jeux. Et Isakuya. Ouais, elle doit être trop forte, elle, en fait. Elle est très méchante. On va prendre elle, elle est sympa. On démarre en scrolling vertical. Et vous allez voir que le jeu va nous balader pas mal. Parce que c'est gentil le début, c'est vraiment très gentil. Donc je le rappelle, les boulettes sont pas particulièrement vives. C'est pas une raison pour s'en prendre, monsieur. Et vous allez voir que vos tirs se mélangent aux tirs des autres, et souvent, bah, il vaut mieux arrêter de tirer pour avoir une meilleure lisibilité. Heureusement, c'est feu d'artifice aujourd'hui. Il y a une touche pour ralentir, même quand vous ne tirez pas. Là, je suis au ralenti, voilà. Et là, je suis plus au ralenti. Bon, j'ai réussi à vous expliquer sans me prendre une boulette, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de jouer. Alors, Monsieur K n'est pas pratique, des tout, quoi. Non, mais alors pas du tout, quoi. C'est un gameplay que j'ai du mal. Pour moi, c'est les spirographes du shmup. Ça fait des jolies matrices de boulettes à l'écran, mais... Je reste en dessous de la mi-molle, comme on dit couramment. Et bim, je te balade, on change de sens, on scrolle latéralement maintenant. Ok, c'est ça que tu veux? C'est vraiment ça que tu veux? Alors la fourberie dans ces boulettes qui sont pas forcément vives, vous allez voir, c'est qu'elles vont mélanger différents types de tirs et différentes vélocités. Oui, et mine de rien, votre cerveau qui essaye de rester zen par rapport à la quantité d'infos à traiter, quand
il va devoir affronter des boulettes qui bougent lentement, plus des boulettes qui bougent moyen vite, plus des boulettes qui n'étaient pas supposées être là, plus bah, cette petite série de boulettes qui va très très vite d'un coup. Il va faire la gueule, quoi. Merde, putain, je matérialise pas bien mon hotspot. Alors ça peut être modifié dans les options. On ira voir tout à l'heure si j'ai le temps, si j'y pense. Pas peine de tirer là. Ça sert purement à rien. Puis c'est mon accueil. Regardez, c'est magnifique, toutes ces boulettes que je pourrais me prendre. Hop, 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 hop. On est bien là. Toi, tu vas me vouloir du bien. Toi, tu vas me vouloir du bien. Alors, c'est très très bizarre ces passages avec des changements en 3D. Hop, 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 hop. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai un saut de la fenêtre, j'ai un saut de la fenêtre. On me sabote l'émission parce que je suis à peu près bon, je suis dégoûté. Le jeu vient de repasser dans une résolution toute pourrie. Ah, faut que je reclique dessus. Désolé, désolé. Je vois plus rien, on me coupe l'image régulièrement. Alors ces matrices de boulettes sont très rigolotes. Enfin, très rigolotes, je me comprends. Quand on est au milieu, on a l'air con. Voilà. On va lui mettre une baffe à elle parce qu'elle commence à me gonfler là. J'ai voulu lui mettre une baffe et mal m'en a pris puisque je me suis mis en plein milieu de là où il fallait exactement pas être. Je suis dégoûté que y ait ce problème de saut de fenêtre que j'avais pas tout à l'heure. Hors enregistrement. On va dire que c'est la faute à OBS. Ouais. Moi je suis pour. Je suis plus dedans, je suis plus du tout dans le jeu là. Instant karma, on y retourne. Bonjour. Oui, bah ça c'est le contre, hein. tu l'as cherché. Quoi, des moutons? Non, 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 non. Alors faut que je change de sens, faut que j'y pense. Oui, mon t-shirt Not From Behind ne me sauvera pas. Elle va me faire un calvaire, elle va me faire danser sur tout l'écran. Ah, putain. Elle m'a jeté un lit. Mais qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Non, madame, madame. C'est un stream tout public. Jolie monture, jolie, jolie, pas mal. Ah, elle me tire dessus des moutons. Oh putain. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Manquerait plus que ça ressaute l'écran, et là je hurle. Je sens qu'elle va se fâcher, mais moi aussi ça tombe bien. Oui, j'ai un tour de mon cru. Ah, 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 ah. Là, je me suis pris un mouton dans la gueule et c'est pas fini. Non, 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 elle va me faire un seul truc, là. Bon, prions pour que l'écran ne ressaute pas, parce que c'était vraiment tragique, en plein milieu de la séquence tir. Tout multi-scroll shooter. Effectivement, ça shoot. Effectivement, ça scroll dans tous les sens. Effectivement, c'est un tout. Alors là, c'est gentil. Regardez ces boulettes toutes soft qui arrivent tranquilles. Juste pour vous dire, il faudra te penser à te retourner un jour, gars. Non. Et là, on voit d'après les couleurs qu'elles n'ont pas toutes la même vélocité déjà. Ça peut commencer à semer un peu le trouble. En particulier si c'était pile au moment où vous réfléchissiez à la crédibilité de faire un réacteur à fusion nucléaire par rapport à la fission. Et je m'égare. Pour l'instant, ça se passe un peu trop bien, je trouve. Oh, ces changements de... Oh, putain. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ah! Mais non. Ok, on peut rien faire. Ça sert à rien que je tire, les gars, dites-le direct. Non, mais ce sera plus simple, quoi, pour tout le monde. Ah, merde. J'avais pas vu qu'il y avait des candidats pour se faire flinguer. Ce passage est vraiment bordélique.
Oh là là, quand ça crève, ça laisse des tirs suicides. C'est une misère. Mieux vaut pas que je tire dessus en fait. Non, 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 non. Je vais être pacifique, les gars. Je vais être pacifique. Peace, Love and Pitbulls. C'est un groupe, il est très bon. Ah non, non, je tire sur personne, moi, quand c'est comme ça. Je suis pour l'amour, la paix dans l'univers et la reproduction intergalactique. On va y arriver. Regardez mes tirs. Non, c'est même pas mes tirs qui partent au loin. Là, j'aurais pas dû tirer non plus, mais bon. C'est un vieux réflexe de schmuppe, hein, si vous voulez. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, dans le fond de l'écran. Alors les musiques, on aimera, on n'aimera pas. Moi, je suis pas fan non plus des musiques des tous, qui est triste d'ailleurs. Est-ce que je l'accueille par... Non, on va attendre un peu, on va voir ce qu'elle nous fait comme... comme blagoune. Hop, hop, hop. Ah, non. Je peux pas l'aligner, bordel. Non, fais pas ça, fais pas ça. Tu veux pas faire ça. T'as pas envie. Je vais attendre, je m'économise pour lui mettre un petit compte dans la tronche à un moment donné, quand elle s'énervera un petit peu trop ou qu'elle aura l'enthousiasme sur la gâchette un petit peu trop évident. Comment ça, elle était hyper longue cette phrase, j'en conviens. Bon, pour l'instant, ça va. Ah, non, ça va peut-être plus, là. Ah, c'est quoi? Non, faut pas bouger, là. Oh, merde! What's happening? Je crois que je vais contrer, les gars. Ouais, non, non, c'était trop... Too much. Too much pressure. Ah, la musique, en plus, non, je peux pas. Je peux pas, c'est trop difficile pour moi. On va se calmer, on va se calmer. Non, c'était une mauvaise idée, ça. Hop. Pas si mauvaise que ça. Qu'est-ce quoi? Non. Allô? Ah! 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 Tu préviens quand tu fais ça, bonhomme. Ça a dû saturer dans le micro, mais c'était à l'échelle de ma surprise. Je vais lui en mettre un peu dans la gueule, quand même, parce que je sens qu'elle participe pas à ma douleur. Et elle m'a dit qu'elle prendrait ma douleur. Comment ça, c'est pas la chanteuse? Ok. Elle pourrait faire un effort. Non, Pouchou, Pouchou. Ah, oh, ça me rappelle cet épisode fabuleux avec les envahisseurs, non moins fabuleux, qui font Pouchou. Merde, change de sens. Je crois que je vais lui envoyer un peu de purée là, parce qu'il y a besoin de la calmer, de lui faire voir qui c'est le boss déjà. Normalement c'est moi. Enfin non, dans une situation normale, mais ça n'arrivera pas aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Parce que du normal, on n'en voit pas des masses. Hein. Oh putain, 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 bouge de là. En fait, l'astuce c'est d'attirer ses tirs dans un coin et de pas en bouger. Jusqu'à ce qu'ils se déclenchent et qu'ils développent leurs espèces de tentacules si avides en méchanceté. Là, je me suis mis dedans, là. J'ai sauvé la situation, mais c'était chaud. Tu me baffes? Tiens, un cadeau dès le début. Oh putain, le champ protecteur, comment on le passe? Attatata. Ah. Alors là, c'est trop bizarre. C'est moi qui scrolle l'intégralité de l'écran plutôt que de vraiment bouger. C'est trop chelou! Change de sens! Oh putain! J'ai fait exactement ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Non, 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 non. Monsieur qui est en train de trier, de crier pitié dans un tout, jamais ça n'arrivera. Ah si, peut-être! Ta 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 ta. Hein? Ah merde! Attends, je vais le calmer, lui, là, c'est quoi, ça? Ce manque de politesse, et... Oh, madame, madame! Oh, putain! Ah, si j'en bave... Oui, carrément, carrément. C'est pas mon truc. Oh, les gens! Infirmière, mouchoir. Ah oui, je pleure un peu de sang. Oui, là, dans les poils, ça va faire des croûtes après.
Je sais pas qui me tire du sud là-bas, mais il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup trop, à mon goût. Je ne relâcherai plus jamais ce tir. Non, mais jamais. Ah, mais il va me faire le coup des planètes de Gradius. C'est un bonus, n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Des espèces de fantômes qui me tirent dessus. Alors, je sais pas d'où il tire. Je suis un peu abasourdi et... Hein. Apparemment, je peux monter autant que je veux, si je comprends bien. J'arrête pas de monter, là. C'est très très étrange, parce que du coup, vous n'avez plus aucun repère et... C'est un peu la Twilight Zone, ce mode. Merde. Oh. Attends, j'ai repéré un truc bien, là. Ça nous concerne. Cette grosse planète qui doit être mettre plein de tirs et son pote qui est à côté là qui fait de je sais pas quoi mais qui m'emmerde. Ah. Oh sale truc, tu veux bien crever? Je te demande gentiment au début mais ça va pas durer. Si t'existais c'est fini, tu n'existeras plus jamais. Ah, il y en a encore. Mais qu'est-ce que je fous là, les amis? Non, j'ai pas payé pour ça. Alors j'espère que j'ai pas le temps de regarder le chrono. Mais j'espère qu'il a bien avancé. Parce que je vous garantis que je ne streamerai pas ça tous les jours. Cette ligne, ah, je sais pas, des choses. Je me détends un peu le pouce, hein, c'est, je commence à vraiment être crispé. Bien dessus quoi. Plus on n'aurait pas pu. Alors je vous rappelle qu'on est en mode easy. Je vous laisse imaginer en mode normal déjà la douleur. Ah putain. Ah, je sais pas d'où ça vient. Si maintenant j'ai une vague idée. Je relâcherai plus de ce tir. Oui j'ai mon tir alternatif qui peut auto-lock. C'est plutôt pas mal mais... C'est chaud chaud. Il est gentil, il me remonte la jauge de bombe à fond. Car on a un ennemi tout à fait sympathique qui arrive en face, avec qui on va s'entendre cordialement, sans la moindre animosité. Salut! J'ai rien contre toi, mais... Il va falloir... Ah! Putain. Oh! Oh! Espèce de salve! Non, je garde mes contres, je les garde précieux pour maintenant là, regarde. Là, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça que j'y suis pas arrivé. Adieu. Quoi, une deuxième couche? Non. Oh, regardez, une deuxième couche à l'intérieur, c'est vraiment ça. Vous voulez cracher? Non, il n'était pas offert avec bon cœur celui-là. Hein. J'ai vu la finition, il y a du... Ah, bah, c'est dégueulasse. C'est fourré avec. Touchez rien, faites comme moi, restez zen. Hop. Ah oh, putain, j'étais dedans. Et j'ai été obligé de sortir ma gueule d'or avec attitude. Oh putain, non. Ça, je veux bien. Mais l'autre là, non, il était pas bien ton pattern là, tu arrêtes. On va pas être amis. Non. Je vous avais prévenu, les mélanges de patterns, ça fait mal. Ça fait très très mal. Encore une couche. Oh, génial. Comment ça, j'ai dit sans serrant les dents? Mais non. Génial.
Oui. Non, non. Non. Je préférerais mieux faire un tour dans une essoreuse de laverie automatique. Sérieux. Qui m'a foutu ça? Toi, tu vas la prendre, ta mégabombe dans la tronche. Tu l'as cherchée. Vas-y, menace-moi, menace-moi. Je vais te chasamer. Ah, mais direct, montré comme ça. Who's the boss? Ah bah, c'est WOM. Alors, on reste pas en face. Non, c'est une mauvaise idée. Je crois que ça vient de derrière. Je vais me renseigner. Ah oh, putain, mais ça vient d'où? Je fais où? Il est là, l'ennemi. Il m'a mis une flèche parce que je faisais vraiment de la peine. Bouge pas, je vais la trouver. Où elle est? Madame? Madame? Faut revenir en jeu, là. Ah. Où est ce con d'ennemi? Ah, le v'là. Merde. Ah! Ah! Worst situation ever. J'ai pas signé pour ça, les gars. Et ça grossit, et ça grossit. Et moi, faut que je slalome et que je change de sens comme un cake et que je trouve verticalement où est cette espèce d'andouille. Oh, touille. Putain. Non. 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 Oh, et je voulais pas changer de sens. Je voulais juste mettre un gros pruneau. Feldfeld, ouais bah je sais. On remet ça? Allez. Ouh, ça a l'air sympa. Si je suis en enfer, mais non, regardez, on se marre. Tout va bien, tout est tranquille. Regardez ce mur de flamme là qui a l'air complètement sympatoque. Ah, ah putain non. Non, non, non. Je sais pas sur qui je tire, mais je le fais de bon cœur. À descendre, c'est encore pire. Mais c'est... Oh là là, j'ai l'impression d'être dans un... Alors, je vais pas dire quoi, mais... C'est très organique, en tout cas. Ah, ça, arrêtez-moi cette séquence, c'est horrible. Change de sens. C'est ça qu'il faut flinguer. Ouais. On va essayer de rester un moment par là, mais... Oh. Oh, quelle expérience que de vivre dans la peur. On va se laisser mourir au prochain niveau, parce que là, le jeu est sympa. Il me laisse beaucoup d'énergie. Un peu trop, d'ailleurs. Mais en tout cas, vous en conviendrez, si vous êtes fan des two like, ce jeu va vous faire marrer, parce que quelque part, il est un peu parodique de lui-même. Et là, j'en ai marre. C'est moi parler. Ah mais c'est ma vie là-haut. Oui, effectivement, jouez pas en facile, c'est inutile. Mais voilà, c'est un jeu qui va ravir les fans de two. Avec son côté à se parodier lui-même, qui est très drôle. Niveau maîtrise, après... Bah, vous avez vu, il y a de quoi couiner. Alors, je sais pas combien il y a de tableaux, je sais pas jusque où le jeu va vous emmener, parce que je pense que je suis pas prêt de le terminer. Mais... Why not? Et si vous voulez vous initier, je trouve qu'il est plutôt sympa, parce que ce mode débutant-là, qui est beaucoup trop facile niveau énergie pour le joueur, vraiment sympa pour se faire la main et puis voir les différentes choses que vous réserve ce genre de jeu. Donc voilà, voilà, voilou. Je m'en vais disparaître par ici dans cette nuée de boulettes tout en vous parlant. Hein. Et vous savez très bien que c'est en racontant n'importe quoi que je fais les meilleurs scores, de toute manière. Playlist. Oui, non, c'est une urgence. Playlist. Bouton, l'autre il me bourre contre le mur. Contre hors de l'écran. Bouton d'abonnement. J'abandonne, c'est trop.